Objet nombre SCP-26. Heure de retenue. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-26 doit rester constamment verrouillé et muré quand aucune recherche n'est en cours. Des alarmes sont en place pour alerter la Fondation en cas d'intrusion de civils ou d'autres agences. Description: SCP-26 est le bâtiment d'une école publique de 3 étages bâtis en. Il dispose de deux ailes connectées à un hall central. Il a été déclaré condamné en après qu'on ait découvert que la disposition du sol ne correspondait pas au plan du bâtiment, voire le rapport d'interview 02-01. Il attira l'attention de la Fondation après que plusieurs disparitions dans le secteur aient été reliées à des visites au sein du bâtiment abandonné. Le bâtiment montre des anomalies spatiales. Son espace interne est bien plus grand que la surface externe dont dispose le bâtiment. Les couloirs adoptent une longueur variable, tandis que les escaliers ont un nombre de marches qui varie selon qu'on les monte ou qu'on les descende. Le nombre de salles qui longent les couloirs change à chaque fois qu'elles sont comptées. Les tentatives d'atteindre les extrémités des couloirs se sont jusque-là soldées par un échec. Passer par les issues de secours situées au bout des couloirs mène au milieu approximatif de la longueur des couloirs. Mise à jour, voir la note 026A. Couloir du second étage de l'aile. Il y a un nombre considérable de graffitis sur les murs intérieurs de l'école. La plupart semblent classiques, incluant des signes de gang, des noms et du street art. Cependant, les graffitis s'effacent et réapparaissent, changeant de lieu. Les inscriptions sur les tableaux et les panneaux d'information changent de manière similaire. Les sujets généralement abordés vont des sujets scolaires standards mathématiques, littérature, biologie à des sujets plus ésotériques tels que l'intrication quantique, l'art et l'eugénisme. Un chercheur a rapporté un tableau détaillant des informations à propos de SCP, mais le tirage photographique n'a montré qu'un tableau blanc, voire la note 026B. La phrase « Les enfants chantaient » est apparue à de multiples reprises en des endroits variés à travers le bâtiment, mais il n'y a actuellement pas d'explication quand. Un certain nombre de sujets inconscients ont été découverts à l'intérieur du bâtiment, pour la plupart en âge d'être au collège ou au lycée, entre 12 et 18 ans. Ils sont habillés suivant le code vestimentaire de l'école, datant d'environ, plusieurs d'entre eux ont été identifiés comme d'anciens étudiants ou professeurs de l'école ayant disparu après la fermeture de l'établissement en au moins une occasion, plus de 10 ans après la fermeture. La façon dont ils ont été transportés dans SCP-26 est actuellement inconnue. Voir la note 026C. Toutes les tentatives faites pour réveiller les sujets à l'intérieur du bâtiment ont échoué. Une fois déplacés hors de l'enceinte de SCP-26, les sujets se réveillent abruptement. Ils sont victimes d'un moment de confusion, avant de mourir d'une déshydratation extrêmement rapide, suivie d'une décomposition avancée. Aucun renseignement utile n'a été fourni par un sujet à ce jour. L'impossibilité à réveiller les sujets s'étend à ceux qui s'endorment dans l'enceinte de SCP-26, bien que la déshydratation rapide ne semble affecter que ceux qui ont été découverts au sein de l'école. Voir le rapport d'incident 26 à note 026A, l'exploration robotique et les enregistrements vidéo ont permis de montrer que les anomalies spatiales apparentes sont causées par des changements de perception des observateurs, plutôt que par un véritable phénomène spatial. Pour cette raison, SCP-26 ne requiert pas l'expertise de la force d'intervention mobile ROW 8 Picnicker en bord de route à l'heure actuelle. Mise à jour, une exploration plus approfondie a démontré que des phénomènes spatiaux ont bel et bien lieu. Voir les rapports d'exploration pour plus de détails. Note 026B, il a été observé que les contenus des blocs-notes, des livres et des feuilles de papier disparaissent, pour réapparaître seulement sur des surfaces au sein de SCP-26, de nouvelles inscriptions sont apparues, pour la plupart tirées de graffitis ou de livres. Des précautions sont à prendre avant d'amener des documents dans l'enceinte de SCP-26.
Note 026C, plusieurs membres du personnel de classe D exposés à SCP-26 ont disparu du contrôle de la Fondation pour réapparaître à l'intérieur du bâtiment anormal. Les sujets en question s'étaient précédemment plaints de rêves identiques à ceux faits par l'agent Malek. Mise à jour, voir le rapport d'interview 026A08. Rapport d'incident 26A12. Au cours d'une inspection de sécurité de routine de SCP-26, l'agent Malek a été découvert inconscient par son partenaire, l'agent John, dans le hall principal. Les tentatives initiales faites pour réveiller l'agent Malek furent inefficaces, il fut donc déplacé pour être transporté au site. Au moment de quitter l'enceinte de SCP-26, il se réveilla abruptement en état d'agitation. Lorsqu'il fut questionné, il révéla qu'il avait rêvé être dans une salle de classe. Ce rêve concorde avec ce fait par tous les sujets s'étant endormis dans l'enceinte de SCP-26. Rapport d'interview 026A01. SCP-26 rapport d'interview 026A01. Notation, plus 2, plus X. Interview avec, ancien principal de SCP-26. Agent, merci de m'accorder un peu de votre temps, monsieur. Pas de problème. S'il y a quelque chose que j'ai en quantité ces jours-ci, c'est bien du temps. Agent, alors, passons à notre problème. Vous étiez le principal de supprimer en supprimer, c'est bien ça. Oui, c'est bien cela. Agent, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Eh bien, vous avez entendu les histoires, je suis sûr. Des gens disent que c'est tenté. Je n'en ai aucune idée, mais les choses semblaient étranges à la fin. Agent, racontez-moi tout. Voyons voir, il y avait les escaliers, bien sûr. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Des personnes comptaient 50 marches pour monter et 60 pour descendre. Je suis sûr qu'il y avait un truc pour ça, un genre d'illusion d'optique, mais je n'ai jamais pu comprendre. Et nous avions un livre d'histoire devenu complètement blanc. Pause. Je suppose que ça a l'air bien peu. Mais vous savez comment c'est. Des petites choses s'ajoutent. Les gens racontent des histoires. Agent, parlez-moi des rêves. Les rêves. Oh, oui. Des gens se plaignaient de faire des cauchemars. Des étudiants en grande partie, mais aussi des membres du personnel. Ils étaient toujours à propos de cours qui ne se finissaient jamais. Au début on en riait, mais de plus en plus de personnes disaient en faire. Je n'y ai pas prêté beaucoup de crédit, mais, à vrai dire, quand nous avons découvert que les plans ne correspondaient pas à l'école, il semblait plus simple de changer de bâtiment. L'école était vieille, de toute manière, et nous voulions un nouveau départ. Et, d'un seul coup, les choses ont semblé revenir à la normale. Agent, je vois. Il n'y a rien d'autre que vous souhaiteriez ajouter. HMM. Pause. Ce n'est pas grand-chose, mais peut-être que cela fera une jolie note en bas de page dans le livre que vous écrivez. Il m'arrive toujours de faire des rêves où je suis dans mon bureau, de retour dans l'ancienne école. Parfois je remplis de la paperasse, parfois je parle à quelqu'un mais c'est toujours de l'autre côté du bureau, comme au bon vieux temps. Mais petit à petit, je remarque que quelque chose cloche. La cloche sonne, mais je n'entends personne dans le couloir. Aucun étudiant ne se précipite dans ou en dehors d'une salle de classe, pas de discussion, pas de bruit de pas, rien d'autre que la cloche. Et ça ne s'arrête pas. Le plus dingue c'est que je ne remarque jamais que c'est un rêve jusqu'à ce moment. Ça fait 10 ans que je suis à la retraite, mais jusqu'à ce que j'entende la cloche, je trouve que tout est normal. C'est dingue, non? Agent, je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup. Si quoi que ce soit d'autre vous revient à l'esprit, n'hésitez pas à me passer un coup de fil. Je n'y manque pas. Rapport d'exploration de SCP-26. SCP-26 rapport d'exploration de SCP-26. Notation, plus 1 plus X. Rapport d'exploration 26A4. Exploration menée par l'agent. Très bien, je marche dans le hall. Les murs sont essentiellement en béton nu, avec un peu de peinture ici et là. Des graffitis partout. Quelques bouteilles de bière, d'autres ordures. On dirait un bâtiment abandonné comme les autres. Ok, je monte les escaliers. Plus de graffitis sur les murs. Ok, je vais dans le couloir.
La peinture qui s'écaille est plutôt flippante. On dirait du papier en décomposition. Ça me rappelle supprimer, les portes sont bizarres. Certaines sont vraiment proches, d'autres sont loin. Une disposition vraiment irrégulière. Ça correspond pas au plan que vous m'avez montré. Ok, il y a une salle de classe. Plutôt vide. Des vieux pupitres. Très vieux, le genre qu'ils avaient dans les années 30. Le tableau a quelques problèmes de maths marqués dessus. Ils ont l'air assez simples. Ok, je vais inspecter une autre salle. De retour dans le couloir. Je me dirige vers la salle suivante. Les tables ont l'air plus modernes dans cette salle. Faites en bois aggloméré. Plus de posters ici. Je dirais qu'ils datent des années 80. J'en reconnais certains de quand j'étais enfant. On dirait du latin sur le tableau. Oui, je prends des photos. Ok, de retour dans le couloir. Je me dirige vers la salle suivante. Plusieurs minutes de silence. Il y a quelque chose qui déconne sérieusement avec cet endroit. Je pourrais jurer que la salle était juste à quelques pas, mais j'ai l'impression d'avoir marché pendant des heures. Bref, j'y suis. On a des dormeurs. Trois, deux filles et un garçon. Ils ont l'air d'avoir environ 14-15 ans. Ils portent tous le même uniforme. Ouais, comme ceux que vous m'avez montrés. Attendez une minute le temps que je prenne quelques photos. Au moins on pourra savoir qui ils sont. Le mobilier a l'air pas mal vieux, ou en tout cas ce qu'il en reste. Plein de tables et de chaises cassées. Rien sur les murs. Le tableau, attendez, quoi? Vous n'allez pas le croire, il y a les notes de l'agent marquées là-dessus. Avec sa même écriture. On va devoir faire très attention à ce qu'on ramène ici. Ouais, j'ai des photos, vous en faites pas. Ok, je vais inspecter une autre salle, puis je sors. De retour dans le couloir, là. Je cherche la salle suivante. Une autre anomalie. Je suis allé dans la même direction durant tout ce temps, mais je suis de retour devant les escaliers. Ouais, je vais juste descendre. J'ai suffisamment vu cet endroit pour aujourd'hui. On se retrouve devant la porte. Les photos développées révèlent sur rapport d'exploration 26 à 12. Mené à distance par le biais d'un drone robotique avec liaison vidéo. Explore le couloir du premier étage. Le couloir semble en mauvais état avec des graffitis sur les murs. La comparaison avec les vidéos précédentes montre que les graffitis ont changé. La plupart des mêmes panneaux étaient présents mais dans des positions différentes. Certains semblaient nouveaux. Les portes étaient régulièrement espacées le long du mur. Certaines étaient intactes, tandis que d'autres étaient délabrées voire totalement manquantes. La première salle du couloir était les toilettes des filles. Plus de graffitis sur les murs. Quelques miroirs brisés. Une cuvette avait été totalement retirée du mur et placée au centre de la pièce. Il y avait de nombreux éclats de porcelaine et de verre sur le sol. La salle suivante était les toilettes des garçons. Elle fut ignorée en faveur de l'exploration des salles de classe. La première salle de classe n'avait aucun mobilier. Le tableau était cassé en deux. Sur un côté du tableau, on pouvait lire quelques lignes disant « Je ne passerai pas de mots pendant le coup » si que l'autre côté portait des fragments d'une leçon sur supprimer. Il y avait une affiche sur le mur, représentant Hélène Calais. La seconde salle de classe était bien équipée, avec le plus grand nombre de tables intactes à ce jour, faites pour la plupart de bois et d'acier dans un style répandu dans les années 50. Il y eut deux dormeurs découverts qui n'avaient pas été rapportés durant les précédentes explorations du bâtiment. Le premier était un adolescent mâle sur une table d'étudiant. La comparaison avec le dossier 026 à 04 a révélé qu'il s'agissait d'un ancien étudiant de l'école. Il avait été porté disparu 10 ans après la fermeture de l'école, à l'âge de 26 ans. L'autre était une femme au milieu de la trentaine assise derrière le bureau du professeur. Son identité est toujours inconnue. Le tableau comportait une frise chronologique de la Seconde Guerre mondiale, recouverte d'un graffiti particulièrement complexe.
La troisième salle de classe disposait de 50 tables en bois agglomérées dans des états de délabrement divers. Une carte sur le mur du fond concordait avec les conditions sociopolitiques de 1974, une étagère s'était effondrée et avait déversé une série d'encyclopédies sur le sol. Le robot fut ensuite guidé vers le bout du couloir puis ramené à l'entrée. Il n'y eut aucun signe d'anomalie spatiale à ce mot. Rapport d'exploration 26 à 15. Exploration menée par l'agent, accompagné par un drone robotique. Ok, je suis dedans. Le hall a l'air d'être comme d'habitude. Peut-être que des graffitis se sont déplacés. Voilà le robot. Le hall a été comparé aux vidéos précédentes. Plusieurs différences dans les graffitis ont été notées. À part ça, aucun changement significatif. Je monte les escaliers maintenant. Bon sang, le robot pèse lourd. Vous avez mis combien de merde là-dedans? Vous auriez pu me prévenir. Je vais me reposer une seconde au deuxième palier. Le flux vidéo marche bien. La première suite de marches a été grimpée sans problème. Le couloir du second étage semble similaire au couloir du premier étage, avec moins de débris. J'ai repris mon souffle. Je me dirige vers le troisième étage. Si seulement il y avait une rambarde la prochaine fois, ça pourrait être plus simple de transporter le robot et le matériel séparément pour tout charger une fois en haut. L'équipement est une preuve totalement inutile. Je crois que je peux très bien me rendre compte par moi-même. Ce truc à la con doit bien peser plus de 100 kg. Ça y est, on arrive au troisième étage. Je compte 12 portes. Espacement bizarre. La dernière porte doit être à au moins une centaine de mètres. Cet endroit est un sacré bordel. Le télémètre a montré que le couloir faisait approximativement 45 mètres de long. 5 portes de chaque côté équitablement espacées et une porte supplémentaire au bout du hall. 11 au total. Je m'avance. Il n'y a pas beaucoup de graffiti ici. Un peu de débris. J'ouvre une des portes. Un placard à balai et épais, nous avons un concierge. Il dort debout. C'est nouveau. Mâle, au milieu de la cinquantaine. Son badge dit de vieux balais, les restes d'une serpillière, on dirait que des rats se nichaient ici. Ils ont déchiqueté son pantalon, mais on dirait qu'ils n'ont pas touché au dormeur lui-même. Quoi? Vous voulez des échantillons? Et, bien sûr. Ce serait pas le truc le plus bizarre que j'ai ramassé dans ce métier. Ok, je pense que c'est bon. Une comparaison avec le dossier 26 à 4 a révélé que le dormeur était ancien concierge de SCP-26. Des analyses des excréments des rats ont plus tard révélé que supprimé, il est recommandé aux futures équipes d'exploration de porter des combinaisons de protection aux dangers biologiques. Voilà une salle de classe. Non, pas de dormeur. Quelques tables intactes, le reste est en sale état. On dirait que quelqu'un s'est ramené ici avec une massue. Non, attendez, correction. Une batte de baseball. Elle traîne dans un coin. Il y a un demi-pack de bière ici, des canettes pleines. On dirait qu'ils sont partis précipitamment. Hey, mettez le robot en face du tableau. Il y a quelque chose que vous devez voir. On dirait du latin. Ça pourrait être important. Demandez à quelqu'un de traduire ça, ça pourrait être un indice sur ce qu'il s'est passé ici. Il s'avéra que le latin consistait en une série de phrases montrant différentes combinaisons du verbe vendo, vendre. Toutes furent retrouvées dans l'introduction au latin des éditions, un manuel anciennement utilisé par l'école. La batte de baseball était en aluminium, et l'analyse des empreintes digitales n'a rien donné. Ok, salle de classe suivante. Les tables ont l'air plutôt modernes. Années 80, je dirais. Le tableau porte une citation de Nicolas Nickleby. Oui, j'en suis sûr. C'est marqué sur le tableau. Le soleil ne brille pas sur cette juste terre pour rencontrer des sourcils froncés, dépendant de lui Nicolas Nickleby, par Charles Dickens. Il y a une pomme sur le bureau. Elle a l'air fraîche. Je la jette au drone. Ok, je regarde par la fenêtre.
Hey, vous êtes toujours là les gars. Parce que je vois des enfants dans la cour, je vois pas le vent, ni aucun d'entre vous. Ouais, seconde salle de classe sur la droite. Vous me voyez. Bizarre. La pomme semble fraîche dans la transmission vidéo. Cependant, lorsqu'elle fut retirée de la boîte d'échantillonnage, elle était dans un état avancé de décomposition. Les images du drone prises par la fenêtre montraient le vent de la fondation plus bas et l'équipe de recherche regardant vers la fenêtre. Aucun enfant ne fut vu dans la cour de l'école. Ok, vous voulez que je remonte le couloir? Très bien. Voyons voir si j'y parviens cette fois. J'ai aucun faux espoir. Je marche en avant. Je dirais que je suis à 3 mètres de la prochaine porte, laquelle mènerait à la dernière salle, mais je compte pas trop la déçue. Je suis toujours là. C'est juste que c'est plus loin que ça n'en a l'air. J'ai l'impression que ça fait des heures que je marche. J'y suis presque. Je vais juste prendre mon souffle. Quelque chose cloche. J'ai arrêté de marcher, mais je suis en train de reculer. Le couloir se déplace autour de moi. Merde, je viens de voir la porte me passer devant. J'avance à nouveau. Je préfère. Ok, j'y suis presque. Encore un petit effort et je devrais y arriver. Et je suis de retour avec le robot. Je savais que ça marcherait pas. Il n'y a pas moyen d'y aller, je vous dis. Le flux vidéo a montré que la prochaine porte était à 10 mètres. Le temps total écoulé d'une porte à une autre était de 5 minutes, durant lesquelles l'agent a serpenté en direction du bout du couloir. Aucune activité anormale ne fut observée pendant qu'il se tenait debout. À l'approche du bout du couloir, l'agent fit demi-tour et retourna rapidement au début du couloir. Ok, j'ai compris. J'ai les yeux fermés. Je marche en avant. Gauche, bien compris. Tout droit. Encore un peu à gauche. Me décaler sur la droite. Je corrige ça tout de suite. Ok, ça va bien plus vite. Ok, décalage sur la droite. Oui, très bien, je vous entends. Bon sang, je vais à droite. Ok, gauche. Non, c'est pas la même direction. Écoutez, si vous croyez que c'est facile, contentez-vous d'y envoyer le robot. Le robot a été capable d'atteindre le bout du couloir sans problème. L'agent tenta de suivre, mais fut incapable d'avancer en ligne droite jusqu'au bout du couloir. Allez y envoyer le robot. Je vais pas réessayer avant que nous ayons une meilleure idée de ce qu'il se passe ici. Quelque chose m'empêche d'y aller. On devrait avant tout essayer de comprendre quoi. Écoutez, si vous voulez tant que ça savoir, allez et vous-même ou demandez des classés. J'y vais pas. Faites avec. À cet instant, le robot a ouvert la porte et franchi le seuil pour entrer dans un autre couloir, se déployant perpendiculairement au premier, 30 mètres de longueur. Aucune porte n'était visible. Une unique fenêtre fut observée mais qui était située trop haut pour qu'on puisse voir le paysage extérieur. Les murs étaient dépourvus de graffitis. La branche gauche était sans issue, tandis que la droite se terminait en un virage à gauche. Le robot a tourné à droite dans le nouveau couloir. Au bout de 10 mètres, le GPS de l'unité indiqua qu'il était hors du bâtiment, bien que le flux vidéo montre toujours le couloir. Il a continué jusqu'au bout du couloir et a tourné à gauche. L'agent était juste devant, au début du couloir original. La rotation de la caméra à l'arrière du robot n'a montré que les escaliers, sans aucun signe de second couloir. Le GPS de l'unité l'a montré à la même position que celle de l'agent à ce moment. Je vois une autre salle de classe. Je vois pas le robot, par contre. J'ai perdu sa trace après qu'il ait passé la porte. Comment ça, il est dehors? Il est passé par la porte. Écoutez, peut-être que le GPS est pété. Du calme. Comment ça que je me tourne? Bordel, qu'est-ce que je... Oh, putain. Ok, c'est bon. J'arrête pour aujourd'hui. On pourra revenir après avoir envoyé quelques classes dès ici. Je suis toujours là. C'est juste que c'est plus loin que ça n'en a l'air.
J'ai l'impression que ça fait des heures que je marche. J'y suis presque. Je vais juste prendre mon souffle. Quelque chose cloche. J'ai arrêté de marcher, mais je suis en train de reculer. Le couloir se déplace autour de moi. Merde, je viens de voir la porte me passer devant. J'avance à nouveau. Je préfère. Ok, j'y suis presque. Encore un petit effort et je devrais y arriver. Et je suis de retour avec le robot. Je savais que ça marcherait pas. Il n'y a pas moyen d'y aller, je vous dis. Le flux vidéo a montré que la prochaine porte était à 10 mètres. Le temps total écoulé d'une porte à une autre était de 5 minutes, durant lesquelles l'agent a serpenté en direction du bout du couloir. Aucune activité anormale ne fut observée pendant qu'il se tenait debout. À l'approche du bout du couloir, l'agent fit demi-tour et retourna rapidement au début du couloir. Ok, j'ai compris. J'ai les yeux fermés. Je marche en avant. Gauche, bien compris. Tout droit. Encore un peu à gauche. Me décaler sur la droite. Je corrige ça tout de suite. Ok, ça va bien plus vite. Ok, décalage sur la droite. Oui, très bien, je vous entends. Bon sang, je vais à droite. Ok, gauche. Non, c'est pas la même direction. Écoutez, si vous croyez que c'est facile, contentez-vous d'y envoyer le robot. Le robot a été capable d'atteindre le bout du couloir sans problème. L'agent tenta de suivre, mais fut incapable d'avancer en ligne droite jusqu'au bout du couloir. Allez y envoyer le robot. Je vais pas réessayer avant que nous ayons une meilleure idée de ce qu'il se passe ici. Quelque chose m'empêche d'y aller. On devrait avant tout essayer de comprendre quoi. Écoutez, si vous voulez tant que ça savoir, allez et vous-même ou demandez des classés. J'y vais pas. Faites avec. À cet instant, le robot a ouvert la porte et franchi le seuil pour entrer dans un autre couloir, se déployant perpendiculairement au premier, 30 mètres de longueur. Aucune porte n'était visible. Une unique fenêtre fut observée mais qui était située trop haut pour qu'on puisse voir le paysage extérieur. Les murs étaient dépourvus de graffitis. La branche gauche était sans issue, tandis que la droite se terminait en un virage à gauche. Le robot a tourné à droite dans le nouveau couloir. Au bout de 10 mètres, le GPS de l'unité indiqua qu'il était hors du bâtiment, bien que le flux vidéo montre toujours le couloir. Il a continué jusqu'au bout du couloir et a tourné à gauche. L'agent était juste devant, au début du couloir original. La rotation de la caméra à l'arrière du robot n'a montré que les escaliers, sans aucun signe de second couloir. Le GPS de l'unité l'a montré à la même position que celle de l'agent à ce moment. Je vois une autre salle de classe. Je vois pas le robot, par contre. J'ai perdu sa trace après qu'il ait passé la porte. Comment ça, il est dehors? Il est passé par la porte. Écoutez, peut-être que le GPS est pété. Du calme. Comment ça que je me tourne? Bordel, qu'est-ce que je... Oh, putain. Ok, c'est bon. J'arrête pour aujourd'hui. On pourra revenir après avoir envoyé quelques classes des ici. Rapport d'interview 026 à 08. SCP-26 rapport d'interview 026 à 08. Notation, plus 3 plus X. DR. Je vous en prie, asseyez-vous. Agent Walker, merci. DR. Parlons de nos affaires. J'ai cru comprendre que vous demandiez à être transféré hors du travail de terrain. Voulez-vous en parler? Agent Walker, je préférerais éviter. DR. C'est votre choix. Cependant, je ne peux pas approuver un transfert sans raison. Agent Walker, écoutez, l'agent fait une pause. Vous avez vu mon dossier. Vous savez que j'ai travaillé sur 26, n'est-ce pas? DR. J'ai lu le rapport. Agent Walker, j'y étais la première fois qu'on a sorti un des dormeurs. Pas mal d'entre eux étaient des adultes quand ils avaient disparu, mais c'était à nouveau des gosses quand on les a trouvés.
J'ai donc vu ce garçon de 16 ans en train de se dessécher ou un truc du genre. J'ai fait des cauchemars cette nuit-là. Dr. Vous êtes censé rapporter tout rêve inhabituel après être entré en contact avec un phénomène pouvant potentiellement affecter votre esprit. Agent Walker, c'était pas officiellement un niqueur d'esprit à l'époque. On pensait juste que c'était un truc spatial bizarre. On se contentait de le surveiller jusqu'à ce que les pique-niqueurs arrivent. Et ça a été un choc, vous savez. On s'attendait pas à quelque chose de ce genre. De toute manière, je suis vite passé à autre chose. J'avais vu pire. Une fois j'ai vu un gars fondre pendant que je le tenais dans mes bras. Dr. Je vois. Qu'est-il arrivé après? Agent Walker, oh rien, pendant un moment. J'y suis allé 2-3 fois, mais j'ai rien vu de très bizarre. Mais écoutez, je sais que j'aurais dû le dire. Mais l'un de mes potes venait tout juste de disparaître après avoir été touché par un truc bizarre, et je ne voulais pas que ça m'arrive à moi. Dr. Vous avez été affecté par un essai agent Walker, je jouais. C'était une semaine plus tard. Je faisais la sieste à l'arrière du vent et j'ai commencé à rêver. Dr. Pouvez-vous décrire ce rêve? Agent Walker, pareil que les autres. Vous avez lu les rapports, non? Dr. Mettons que je ne les ai pas lus. Pour le dossier, agent Walker. Agent Walker, très bien. Je suis dans une salle de classe. Elle est comme une de celles de 026, mais neuve. Pas en train de tomber en morceaux. Je connaissais le nom du professeur. Je savais qui était assise avec moi, même si je ne les avais jamais vus avant pour la plupart. La cloche a commencé à sonner, mais personne ne bougeait. J'ai levé la main, mais le prof ne m'a pas remarqué. Au final, j'ai essayé de partir, mais les portes ne voulaient pas s'ouvrir. Alors j'ai remarqué un truc bizarre avec ma main. Elle était en couleur. Tout le reste était en noir et blanc. Mais j'avais l'impression d'être celle qui était anormale. Pas à sa place. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Le vent partait. Personne n'avait remarqué que je m'étais endormi. Dr. Et vous n'avez pas pensé à rapporter ça? Agent Walker, comme je disais, j'avais peur. Et c'était avant qu'il ne trouve Malek. Je me suis dit que c'était juste un cauchemar comme un autre. Rien de bizarre. Et après que Malek ait fait son rêve, ils n'ont rien fait avec lui, alors je me suis dit que c'était rien de bien important. Dr. Il a été mis en observation. Vous auriez dû vous aussi, pour votre sécurité et celle des autres. Agent Walker, vous les gratte-papiers, vous croyez que tout est si facile, hein? Assis derrière un bureau toute la journée, vous savez pas ce que c'est. Eh bien, les choses ne sont pas si simples là-dehors. Pas quand vous êtes celui qui chasse des chats qui parlent dans les égouts, ou quand vous attendez de voir si c'est vous qui n'allez pas en revenir cette fois. L'agent Walker était visiblement angoissé. Plusieurs minutes passèrent avant qu'elle ne se calme suffisamment pour continuer l'interview. Agent Walker, de toute manière, ce n'est que plus tard qu'on a fait le lien entre les rêves et les dormeurs. Lorsqu'Anne a trouvé ses classes D au deuxième étage. Et puis, je pensais que je pouvais être au cas. J'étais pas dans Vinci lorsque j'ai rêvé. J'en étais pas sûr avant que les rêves ne commencent. Dr. Ça vous est arrivé à nouveau? Agent Walker, ouais. Ils ont commencé il y a 6 mois. C'est le même rêve. Mais à chaque fois, je mets un peu plus de temps à me rendre compte que ce n'est pas réel. Et quand je regarde mes mains, elles sont un petit peu plus grises. Fin de l'interview. 26 à 31. Note, l'agent Walker a après cela reçu un amnésique de classe A et est retourné au travail de terrain. Oh,